Donc voilà. Alors, formation sur le protocole, la communication au niveau des clients et au niveau des distributeurs qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc voilà. Alors déjà, merci à tous vraiment de participer. Franchement, on est dimanche. Il y a beaucoup de personnes qui… Franchement, c'est le dimanche. Ce qui est génial, c'est que si vous ne vous connectez pas le dimanche à 21h, vous ne pourrez jamais vous connecter chez eTwork à une formation. Et les formations, comme on le dit, vraiment, c'est la clé du succès. C'est vraiment une des clés du succès. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent vraiment chez eTwork. Il y a beaucoup de personnes qui changent leur vie comme pas beaucoup d'autres sociétés en MLM. Il y a des chiffres qui sont faits, mais vraiment hallucinants. Je vous jure qu'il y a des mères de famille qui changent de vie. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont lancés chez eTwork et qui ont une vie hallucinante. Il y a des jeunes aussi qui sortent, qui sont étudiants et qui voient des sommes rentrer dans leur compte, qui n'arrivent pas à dormir de la nuit. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, si vous êtes là, c'est vraiment peut-être pour prendre cette direction-là. Et moi, je parle vraiment à chaque fois, vraiment au niveau de la vision loin. Je ne vais pas parler, si vous me le permettez, je ne vais pas parler à des personnes qui auraient gagné 300, 200 euros par mois en plus. Parce que je sais qu'il y en a aussi qui sont connectés, qui font 200, 300 euros par mois en plus, qui sont très contents. Mais j'ai une habitude de communication parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire 1000, 1005, 2000, peut-être avec eTwork, et c'est vraiment accessible. C'est vraiment accessible et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Gwendo, Oui. comment tu vas déjà? Ça va et toi? Super, super. Donc, écoutez vraiment bien et sortez tous votre feuille et votre stylo. C'est vraiment de bien analyser ce qui va être dit. Donc, on va faire d'abord un petit échange au niveau client. Déjà, quel est le conseil que tu pourrais donner au niveau des clients par rapport globalement, Gwendo? Justement, alors j'ai fait une feuille. En gros, il faut que quand vous appeliez un client, il faut que vous soyez dans un endroit calme. Attention aux enfants. Donc, je sais que pour la plupart, on a tous des enfants, mais qu'est-ce que vous faites? Vous l'appelez quand soit votre mari est rentré, quand votre enfant est en train de faire la sieste. Il y a des moments où on peut appeler, mais pas avec des enfants qui crient derrière. Personnellement, j'ai jamais fait ça. Et ceux qui n'ont pas d'enfants et qui entendent des enfants crier derrière, c'est pas pro, ça va pas du tout. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, quand on vient en privé vous dire bonjour, je suis intéressée, tout ça, ne courez pas en répondant en privé. Parce que sinon, ça prouve que vous n'avez aucune demande. Donc, vous devez faire patienter, alors pas 24 heures non plus, mais faites patienter la personne, même si vous avez vu, vous avez eu un message. OK? Donc, vous attendez un petit peu. Une fois que vous lui avez répondu, vous envoyez un audio, laisse-moi ton numéro de téléphone, c'est un truc de dingue, tout le monde me demande des infos, je t'appelle au plus vite. Mais vous l'appelez pas à la seconde, parce que vous êtes censé logiquement avoir du monde à appeler avant. Après, vous l'appelez pas non plus dans 4 heures, mais vous l'appelez pas à la seconde, d'accord? Ensuite, envoyez, non, ça c'est après, et puis préparez aussi un porte-revue avec toutes les fiches produits. Comme ça, au moins, vous les avez sur papier. Parce que l'erreur que j'ai fait moi au début, c'est que je regardais sur le PC, mais en fait, je regarde la fiche produit et après, je regarde les tarifs. Donc, ça met du temps. Donc là, ça fait vraiment pas pro. Donc, prenez un porte-revue et mettez les fiches produits, les tarifs, comme ça, vous paginez et ça va beaucoup plus vite. Donc là, c'est tout ce que j'avais à expliquer pour le début, pour comment préparer ça, quoi. C'est important vraiment d'être dans le calme. Il y a aussi beaucoup de personnes, des fois au début, quand on fait les appels à trois, c'est quelque chose d'incroyablement basique, mais vous devez vraiment vous axer sur ça. Pourquoi? Parce que la personne, déjà, elle va pas être, elle va entendre des bébés pleurer derrière, ça va pas faire très professionnel. Et ça, vous allez perdre en crédibilité alors que vous devez vraiment émettre des bonnes ondes positives. Et quand des fois, il y a même, je sais pas, il y a un camion qui passe à côté, vous êtes au bord d'une route, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas du tout. Et je sais même qu'il y a aussi, quand on fait les appels à trois, des fois on fait des appels à trois et il y a des distributeurs qui ont du bruit à côté d'eux. Cliquez sur silence. OK? Par contre, écoutez la communication qu'on a pour vous synchroniser aussi sur la même communication. OK? Donc faites-le, c'est important. Je répète, il y a de l'argent à prendre, il y a des vies à changer juste sur des petits détails comme ça qui peuvent être dupliqués dans 10, 10, 20, 30, 40, 50 personnes de vos équipes. Ça peut aller vite. Après, bam, si vous développez sur toutes vos équipes quelque chose comme ça, de la bonne dynamique, ça peut faire quelque chose de bien. Ensuite, donc moi, le conseil que je pourrais donner au niveau des clients, c'est déjà faire un bon accompagnement. OK? Comme on dit, un client qui est content va vous en ramener d'autres derrière. Et moi, ce que j'aime bien dire aux clients, je leur dis, si vous me ramenez des clients, j'ai la possibilité vraiment de. Déjà, ils ont les applicateurs Reward, ils vont avoir des produits gratuits. Et des fois, vu que j'ai pas mal de produits, je peux leur offrir un wrap de temps en temps. Okay? Donc, ça, c'est des très, très bonnes choses à faire, mais leur demander réellement de nous ramener un maximum de clients et ne pas hésiter à dire ça. Parce que moi, j'ai une personne là qui m'en a parlé et elle va me ramener sa cousine. Elle va me ramener sa cousine. Donc, HSN, moi, c'est celle que j'ai fait hier, c'était sa cousine d'ailleurs.
HSN 60 BV, je l'ai fait à 4h du matin hier. Quand je suis revenu de soirée, c'est franchement nickel. Ça, c'est vraiment les choses à faire. Après, au niveau client, régularité au niveau des réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui démarrent aussi sur, pour ceux qui sont rubis, on va dire moins que rubis, moins qu'émeraude, pardon, émeraude et moins. Je vous invite vraiment à rester régulier. Par contre, les bases sur les réseaux sociaux pour faire des clients, c'est 3 publications par jour, pas particulièrement une photo avant-après, hein, une photo du bureau du jour qui va impacter vos clients sur votre crédibilité. Très important, ok? Donc, je répète, 3 publications par jour et je répète, mettez des photos régulièrement. Partagez pas des trucs ridicules. Il y en a qui partagent des trucs, je vous jure, j'ai envie de dire. C'est comme si vous investissez dans un business et vous faites rentrer n'importe qui. Je sais pas comment vous expliquer. Vous décrédibilisez, vous mettez des affiches, faites n'importe quoi en fait. Maîtrisez les réseaux sociaux, vous allez maîtriser votre business. Je le répète, maîtrisez vos réseaux sociaux, vous maîtriserez votre business. Allez voir le mur de Gwendo, allez voir le mur de Hager, allez voir le mur de Chiffen, de Prisca. Il y a Prisca aussi. Salut Prisca. C'est des personnes qui gèrent bien leurs réseaux sociaux. OK? Donc, n'hésitez pas à les synchroniser dessus. Par contre, pas à faire du copier-coller parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Il faut mettre vraiment sa touche à soi-même et ça va le faire. OK? Donc là, ce qu'on va faire, on va rentrer directement dans le vif du sujet au niveau de la communication client. Gwendo, est-ce que tu es là? OK. Alors, je te vois plus trop, Gwendo. Elle doit être par là, mais je ne peux plus la voir. Donc, on va vous expliquer vraiment. Hein. C'est en fait, il faut comprendre une chose. La communication qu'on va vous donner au niveau des clients, c'est en fait, c'est bon, Gwendo. Donc, c'est une communication, par contre, qu'on n'utilise pas qu'une fois. On utilise encore et encore et encore et encore et encore. Et on n'essaye surtout pas de parler pendant 8 heures d'un client qui n'est pas passé. On a la capacité de pouvoir rebondir, 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 rebondir très rapidement. Parce qu'il y a des gens qui appellent un client, appellent un distributeur, et après, ils ont toujours ce distributeur qui leur trotte dans la tête. Nous, on appelle, on passe à une autre personne. On s'en fout qu'il démarre, on s'en fout qu'il démarre pas, on s'en fout qu'il démarre dans un mois, on s'en fout. C'est bizarre. Et moi, je vous jure, hein, c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Peut-être c'est mal vu par certains leaders, et je peux comprendre. J'appelle des fois des distributeurs comme Alex, Alexis. Je sais pas s'il est connecté, Alexis, qui a démarré il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, ouais, si tu peux me rappeler demain, nanana. Je ne l'ai même pas rappelé pour vous dire, dans ma tête, c'est déjà sur des autres personnes. C'est rare que je rappelle pas. Mais là, j'avais carrément oublié. Voyez ou pas? Juste, c'est ça. Après, moi, j'entends des distributeurs, des fois, qui courent pendant une semaine derrière le même distributeur potentiel. Il ne faut pas faire ça. Vous allez heurter votre motivation, je le répète et répète encore et encore et encore. On est des trieuses automatiques. OK? Donc, Gwendo, on fait un petit échange. Oui. Alors. Alors, surtout, il faudrait que vous ayez aussi votre. Alors, Gwendo, si tu as des écouteurs, tu serais au top du top. Je sais pas si c'est le cas. voilà. C'est parce que je n'avais pas une bonne connexion et là, c'est bon. Nickel. Par contre, attends, jamais. Je t'entends. C'est normal que tu écoutes. Nickel, parfait. Oui, alors déjà, il faut que vous ayez aussi sous vos yeux le protocole client de Jamel. Si vous ne l'avez pas, ben, vous nous le demandez plus tard, c'est super important. Voilà. Alors, vas-y. Donc, Jamel, tu fais le client? Ouais, ok, je fais le client. Ok, donc moi, je l'appelle, mais pas tout de suite, d'accord? Je l'ai répondu, il m'a donné son numéro de téléphone. Je lui dis, écoute, je t'appelle au plus vite, j'ai vraiment beaucoup de demandes, ok? Là, je l'appelle. Alors, je m'attendais à appeler une fille, mais c'est pas grave. Allô, Jamel? Oui, allô? Oui, enchantée, je vous appelle pour vous renseigner au sujet de l'offre qui vient de tomber, l'offre Wrap Minceur. Tout d'abord, je voulais juste savoir si vous connaissez les produits ou pas du tout. Ben, franchement, je vous suis rapidement sur les réseaux sociaux à force de voir vos publications. Je suis venu vers vous pour être. Ok, d'accord. Bon, nickel. Vous n'avez jamais testé. Ok, d'accord. Pas de souci. Est-ce que… Alors, vous voyez bien que là, je suis en train de lire. Hein, d'accord? En même temps. Hein. Bon, ça me trouble un petit peu parce que je ne suis pas au téléphone, donc je ne suis pas concentrée. Mais bon, sachez que je ne bégaye pas à ce moment-là. J'aimerais déjà… Alors, Jamel, si vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, vos complexes. Qu'est-ce que vous recherchez? Ou alors, qu'est-ce que, ben, du coup, vous avez vu et qui vous a tapé dans l'œil et que vous voulez tester absolument? Ben, en fait, très simplement, en fait, j'ai vu des produits, des photos avant-après au niveau du ventre qui étaient juste choquants. Après, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu sceptique sur le produit, mais j'aimerais avoir déjà, dans un premier temps, des renseignements déjà.
Voilà. Alors, pourquoi je vais poser cette question? Parce qu'en fait, au début, on laisse parler un petit peu, d'accord? Par contre, après, là, je vais faire que parler, mais c'est vrai qu'au début, j'aime bien laisser parler. Alors là, jamais, ils ne parlent pas beaucoup, mais souvent, les personnes, ils parlent à mort. Ils disent qu'ils ont des vergetures, des cellulites, enfin, tout ce que vous voulez, même pour les cheveux. Donc, surtout, vous devez l'écouter, la personne. Sinon, ça veut dire que vous voulez lui vendre le truc et on s'en fout, d'accord? Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Ok, donc Jamel, je vois bien. Ok, pas de souci. Alors, donc tu connais pas du tout la société, donc je vais t'expliquer. Par contre, avant tout, Jamel, moi, je voudrais te dire, pardon, est-ce que je peux vous tutoyer? Il n'y a pas de souci. Enfin, déjà, moi, je voulais vraiment te dire, Jamel, que je ne vends pas du rêve. Je vais vraiment être claire avec toi dès le début. Si tu veux des résultats, si tu me fais confiance, il faut vraiment que tu pars sur un programme de 3 mois. Ça, je veux vraiment te le dire à la base. Alors, pourquoi je le dis dès le début? Parce qu'avant, je le disais à la fin. Et quand j'expliquais le tarif et que je disais, t'as ça sur un programme 3 mois? Ben non, moi, je veux un truc à moi. Donc, surtout un conseil, dites-le dès le début. Moi, ça marche comme ça. Donc, comme ça, hop, déjà, là, hop, c'est mis. OK, alors, du coup, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la société, elle cartonne depuis 16 ans aux États-Unis. Ça fait seulement 5 ans que ça arrive en France, donc c'est pas une petite start-up, c'est vraiment un truc de dingue. Les produits cartonnent. Là, ce soir, il me reste plus que 2 packs. J'ai encore plusieurs personnes à appeler, donc tu es entre guillemets chanceux parce que c'est dans les mails que j'appelle. Et vraiment, ça va partir, ça c'est sûr et certain. Donc, le Wrap Masseur, alors j'explique par exemple le Wrap Masseur parce qu'il me demandait, donc j'explique, mais par contre, vite fait, hein, ça va raffermir, ça va tonifier la peau, ça va aussi affiner la silhouette en seulement 45 minutes. Je sais pas si tu connais un peu des produits qui font ça. T'as aucune concurrence sur le marché. C'est juste un truc de dingue. Les résultats, ben, ça fait les gens quand ils testent les produits, juste pour te dire, ils crient. C'est vraiment c'est vraiment de bons produits. Mais c'est clair et net que il faut que à côté de ça, t'aies une hygiène de vie saine et que tu boives de l'eau. Donc voilà, j'explique un petit peu tout ça. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que je dis? Donc, je dis qu'il ne me reste plus que 2 places. J'explique aussi les 3 mois. Et puis après, il faut que tu répondes un petit peu, Jamel, s'il te plaît. Ben après, moi, ce que j'aurais comme question quand même, c'est au niveau des tarifs. Quels seraient précisément les tarifs que je vais avoir? Parce qu'il reste 2 packs, ce que j'ai plus ou moins compris. Donc, explique-moi. Ouais, c'est ça. En fait, il me reste 2 packs. En plus, ce qui est bien, c'est que les packs, ils sont en promotion. Donc, comme je t'ai expliqué, pour le programme 3 mois, en temps normal, si tu prenais la boîte de 4 wraps, tu en as pour 120 €. Là, exceptionnellement, si tu prends 2 boîtes de 4 wraps plus le gel qui va vraiment aller en continuité de l'action du wrap, tu payes uniquement 120 € plus 35 €. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est juste un truc de dingue. Tu payes ça, bien sûr, chaque mois en 3 mois au lieu du double. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est juste un truc de dingue. Je n'ai jamais eu ces prix-là. Hein. Pour savoir, donc les 2 boîtes, ça fait combien, premier mois? Alors, les 2 boîtes, du coup, elles te font 120 € plus 35 €, donc environ 165 €. Tu payes ça et tu reçois carrément le gros pack. Alors qu'en temps normal, tu n'aurais que la boîte de 4 wraps. Là, tu as 8 wraps plus le Defining Gel qui arrive chez toi, bien sûr. Ok. Ben, franchement, je ne sais pas trop. Après, je peux te contacter plus tard? Bah, moi, je te le dis sincèrement, j'ai encore des personnes à appeler, donc c'est pour toi. Après, si ça t'intéresse pas, bon, c'est pas grave, mais vraiment, sache que moi, je vais les vendre ce soir, c'est sûr et certain. Donc voilà. Ok, je peux te contacter demain ou c'est possible? Comme je te dis, après, moi, demain, je suis pas sûre d'en avoir. Hein. Je préfère être claire avec toi, il me reste plus que 2 packs, donc c'est à toi de voir, mais vraiment, c'est vraiment une offre à pas louper, quoi. Donc après, moi, je vois, hein, mais si je vois vraiment qu'il robuste, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, on peut faire un pré-enregistrement. Comme ça, au moins, on est sûr que ton pack il soit réservé. Il faut juste que toi, tu me donnes toutes tes coordonnées. Et ensuite, c'est sûr, demain, le paiement, il passe. Et là, au moins, ben, je peux t'offrir du coup la chance d'avoir ce pack-là en promotion. C'est ça. Après, franchement, là, elle a été au maximum. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la fin. Et c'est vrai, Gwendo, ils n'osent pas trop dire ce genre de phrase-là du style « Vraiment, c'est l'occasion ou jamais, j'ai 2 places de disponibles. » Comme ça, ce qui est génial, c'est que vous allez en fait trier les personnes. On n'est pas là pour savoir si tu veux commander, oui ou non. Il y a une promotion, dis-moi si c'est OK pour toi. Pas quelqu'un vous dit demain ou après-demain. On a des personnes qui nous disent ça. On leur dit, écoute, ce soir, c'est vraiment l'occasion jamais. Je ne suis pas à ta place, mais si j'aurais été à ta place, elles auraient foncé, tu vois. Donc, vraiment pour clarifier la chose. Et quand vous vous dites, vous la poussez au maximum, en fait, au niveau de la commande et qu'elle vous dit non, finalement, je ne sais pas, je vais réfléchir. Ok, je vous souhaite quand même, terminer toujours comme ça, je vous souhaite une excellente soirée quand même. Merci d'avoir pris de votre temps et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez d'autres renseignements. Ne soyez pas frustré à la fin. Ok, ne soyez pas frustré. Sachez que moi,
excuse-moi Jamel, pendant les 3 semaines où je me suis lancée, les 3 premières semaines, j'ai fait 0 vente et je sais pourquoi. Parce que justement, le closing, je ne le faisais pas. À chaque fois, je disais, bon, bah ok, recontacte-moi, mais ils ne vous recontacteront jamais. Donc ça, il faut vraiment que vous jouiez sur ça. Mais vraiment, c'est juste obligatoire, sinon c'est mort. Je préfère être clair avec vous, ça c'est clair. C'est ça, c'est ça. Et après, on demande, comme c'est écrit de la part de Hagère, on demande toutes les infos, on les note sur du papier et on fait passer la commande, la date. Exactement. Après, ce qui est bien aussi, chose importante aussi, c'est quand moi, c'est ce que je dis aux personnes pour leur faire prendre conscience qu'au moins, c'est bien verrouillé au niveau du préenregistrement. Je leur dis, en revanche, les préenregistrements, j'en fais pas à tout le monde, donc il n'y a pas d'annulation. C'est pas la personne qui vous contacte 3 heures, 4 heures ou une semaine ou 2 semaines après vous dire, pour vous dire, ah, mais finalement, c'est pas sûr. Au moins, c'est ça, c'est clair, net et précis. Et je le dis à la fin de la communication, du closing, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Au moins, vous savez à qui vous avez affaire et au moins, ça, c'est clair, net et précis. C'est ce qu'elle fait, en fait, Stéphanie Dunn. Moi, les préenregistrements, je ne connaissais pas. Hein. C'est Stéphanie Dunn, il devait être 2 heures du matin, pour regarder un Zoom et c'est ce qu'elle faisait au niveau des distributeurs. Donc, voilà, voilà. Alors, si je peux rajouter aussi quelque chose, je ne l'ai pas fait. En fait, je parle aussi de mon témoignage parce que si vous parlez de votre témoignage, ça montre aussi que vous avez testé les produits, sinon ça ne va pas trop. Donc ça, je le fais. Et des fois aussi, si je vois qu'ils sont trop, qu'ils n'y croient pas trop, j'envoie en même temps que je suis en train d'appeler parce qu'on peut le faire, hein, mes propres photos ou les photos des clients. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Ouais, c'est une bonne chose. Bah, après, comme on dit, il y a… Virginie Coudert, elle fait beaucoup de clients très simplement parce qu'elle partage son témoignage. Et on lui a dit, comment tu fais beaucoup de clients? Elle a dit, ben, je montre mes photos avant, après. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui essayent des fois d'être trop dans la vente, dans un délire de commercial. Et il y en a beaucoup qui démarrent et se disent, mais je ne suis pas commercial, je ne suis pas dans le commerce. Et Freddy, tu faisais quoi dans la vie de base? Hein, Freddy? Peut-être que ça a bugué. Je suis bouché à la base. Bah oui, on l'entend, ouais. Ah, bon, bah voilà, à la base, je suis bouché. Voilà, des bouchers. Il y a Nicolas Charlec en dessous qui est flic de base. Salut Nico. Donc, vraiment, il y a des personnes qui viennent de milieux totalement différents. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a Elad qui est arbitre de touche de tennis. Il y a vraiment de tout. Donc, n'essayez pas de vous dire, ah oui, mais il faut que je sois spécialiste dans le commerce pour cartonner chez Edwards. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste partager une expérience. Moi, je partage les. Ah ouais, tu es sceptique. Regarde les photos sur ma mère. Regarde les photos sur ma sœur. Je leur fais montrer. Les gens, ils deviennent fous. Utilisez l'urgence, exactement. Donc voilà. Après, moi, au niveau des clients, ce que j'aime bien utiliser, c'est le. Je dis toujours des mots comme super, génial, au top. Et imagine, on me dit, voilà, j'aime bien me poser la question, sur quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer? Là, habituellement, les gens le disent, le ventre, les cuisses, super, c'est là où les gens ont les plus gros résultats et c'est réel au niveau du ventre, etc. Et j'insiste sur les phrases du style, voilà, j'ai un protocole, hein, comme elle a dit, Gwendo, c'est ce qu'on utilise, nous, un appui vraiment visuel. Hein, je suis président, il y en a 28 000 de clients dans l'organisation, c'est pour vraiment rien oublier parce que je sais que si vous utilisez toutes ces phrases-là, c'est quelque chose vraiment qui va faire quelque chose de très, 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 très bien. Donc, un produit qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, par contre, je ne dis pas, c'est un produit qui marche super bien. C'est un produit qui fait un buzz de fou sur les réseaux sociaux. Ça prend une ampleur de fou. Il n'y a plus beaucoup de places disponibles en tant que client VIP pour la projeter directement. Ce que j'utilise comme phrase, c'est quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer? Moi, c'est le ventre, les cuisses, les bras, les jambes, etc. Après, je leur dis, on a des offres donc de dingue, il reste quelques places en client VIP. Je lui explique, moi, ma communication au niveau de la vente, c'est une boîte coûte 120 euros. Là, en fait, en prenant un produit par mois pendant 3 mois, il y a une énorme réduction qui est de 40% sur tous les produits de la gamme à vie. Au lieu de prendre une boîte à 120 euros le premier mois, vous avez les deux boîtes à 150 euros. 150 euros les deux boîtes. Donc, c'est vraiment un truc de fou où ça m'arrive aussi de dire comme Gwendo, 160 euros les deux boîtes plus le Defining Gel. Ça, c'est vraiment la communication que je vous recommande. Un produit par mois pendant 3 mois avec une réduction de 40%. Et ce qui est génial, c'est que le premier mois, au lieu d'avoir une boîte à 120 euros, vous avez les deux boîtes plus le Defining Gel qui est de base dans les 70 euros. Ça vous fait normalement 120 plus 120, ça fait déjà 240. Plus 70 euros, ça vous fait dans les 300 euros. Là, vous avez 160 euros, vous avez les trois produits. Donc, c'est une promotion de dingue. C'est l'occasion ou jamais. Il reste quelques packs. C'est l'occasion ou jamais.
Après, si la personne, comme elle a dit, Gwendo, hein, elle va vous dire oui, mais ceci, vous répondez exactement ce qu'elle a dit, Gwendo. Il me reste de pack, tu fais comme tu veux. OK? Donc voilà. Gwendo, est-ce que tu m'entends? Je vais réactiver ton micro. Excuse-moi, parce qu'il y avait du bruit, désolé. Je te vois. Oui. Dis-moi, n'hésite pas à rajouter si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Ça. Oui, n'hésitez pas aussi à jouer sur promo testeur ou promo client VIP, promo client fidèle, moi je n'utilise pas, mais essayez de changer de choses parce que des fois les gens en tant que ils se disent ah, c'est encore moins cher et comme ça vous l'appelez en disant écoute, j'ai deux promo testeurs, c'est juste un truc de fou, tu prends un produit par mois pendant 3 mois, tu as 40% à vie. Et ça c'est pareil, hein, c'est exactement pareil, donc jouez sur ça aussi, jouez un peu sur les mots. En fait. Hier, on était au restaurant. En fait, il y avait mon cousin, il y avait une copine à lui. Elle était là et il lui avait proposé les produits. Et moi, en fait, j'ai utilisé en fait une autre technique de communication. Je lui ai dit, écoutez bien, je vous jure, j'ai utilisé cette technique-là, ça l'a interpellé, la fille. Je lui ai dit, elle m'a dit, non, n'essaye pas de me vendre tes produits. Je lui ai dit, non, je ne veux pas te vendre les produits. Je veux te faire bénéficier d'une promotion parce que j'ai 4 places de clients VIP en ce moment. Et je vous jure que j'ai communiqué ça comme ça. Et c'était plus sur le ton de la rigolade. Mais je vous jure que finalement, elle était intéressée. Et parce qu'il y avait beaucoup de personnes de Victoire, ça était un peu dans un délire de rigolade, etc. Mais je lui dis, je peux te faire bénéficier d'une promotion. J'ai mis ma mère en client, j'ai mis ceci en client, ma sœur. Et pourquoi pas toi, si tu es intéressée, c'est l'occasion que jamais. C'est une promotion de 40%, c'est un truc de fou. Et je vous jure qu'à la fin, j'étais intéressé, mais même moi, j'ai été surpris. Donc, essayez d'utiliser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent et qui doivent faire 4 clients fidèles au début. Donc, n'hésitez pas à dire, je peux te faire bénéficier d'une réduction de 40%. Même avec la famille, hein. Et surtout avec la famille, hein. Je vous le jure, ne culpabilisez pas, mais allez-y. Moi, j'ai appelé en disant, Tati, écoute, c'est pour toi. Comme tu es de ma famille, il ne me reste plus qu'une offre VIP, j'en ai eu 4. Et comme tu es de ma famille, je sais que ça pourrait t'intéresser. Elle te dit oui, tant mieux. Elle te dit non, c'est pas grave. Mais ça, essayez quoi. Voilà. Après, moi, il y en a beaucoup qui ont du mal des fois au niveau du closing. Ils arrivent à la fin, ils ne savent plus quoi dire au niveau des clients. Dites une phrase très simple, ne cherchez pas à comprendre 48 heures. On fait ça, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. On fait ça, mais lancez-vous. Parce que comme on le dit, ce job-là, je peux vous donner des milliers de protocoles clients, distributeurs. Par contre, c'est le mental qui va créer la différence. Vous ne sortirez jamais, c'est OK pour moi, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, ou on fait ça. Si vous vous créez votre propre barrière à vous-même. Ça, c'est important. Okay. Donc, voilà. Gwendo, on fait le protocole distributeur? Oui, pas de souci. Alors, c'est un peu plus long que les clients. Personnellement, c'est en moyenne 20 minutes, ça va être plus vite, mais juste pour vous dire, moi, c'est un peu plus long. Alors, surtout, j'explique quand je fais des appels à trois parce que j'ai ma façon de faire. Par exemple, là, en ce moment, c'est avec Sabrina. Donc, en fait, à chaque fois, Sabrina, elle m'appelle. Ensuite, on met en conférence avec la personne. Dès que la personne, elle décroche, c'est Sabrina qui commence à parler en disant « Coucou Linda, par exemple, je t'appelle pour te renseigner sur le job. » Donc, Linda, elle dit « Oui, bien sûr. Tu as de la chance. Je suis justement en contact là. On est tous les trois au téléphone avec la personne qui est chargée du recrutement. C'est tellement rare. » Et là, « Coucou !» Et là, je débite tout. Et Sabrina, elle ne fait rien du tout. Et elle écoute. Parce que si c'est moi tout de suite qui arrive, elle est censée entendre Sabrina. Si après Linda, elle se lance et qu'elle voit qu'on n'a pas la même voix, j'aime pas et je vais pas mentir. Donc, surtout, hop, et là, ça marche. D'accord? Ça, c'est une petite astuce. Alors, comment je fais? Alors, toujours, la première question, c'est bonjour Sabrina, bonjour Jamel. Est-ce que déjà tu connais Itworks? Est-ce que tu as déjà testé les produits? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Alors, c'est toujours la même question, mais c'est toujours ça parce que j'ai besoin de savoir si elle a testé ou pas. Elle me répond oui, c'est un truc de dingue, parfait, ouf, on va au deuxième rang. Mais souvent, c'est non. Donc, du coup, écoute, je vais t'expliquer vite fait. Ça fait 16 ans que la société, elle cartonne aux États-Unis. Ça fait seulement 5 ans que ça arrive en France, donc c'est tout nouveau, OK? On a plusieurs produits phares, je vais t'expliquer un petit peu. Alors, moi, j'explique le Wrap, le AirSkinAce, j'explique aussi le Wow. J'explique que c'est des produits révolutionnaires. Donc, je dis le Wrap, ça agit en 45 minutes, c'est juste un truc de dingue. Voilà. Le AirSkinAce, je l'ai testé, mon Dieu, je suis une coiffeuse, je suis esthéticienne, et je te jure, j'ai jamais eu des résultats aussi bluffants. Le Wow, pareil, ma mère, j'ai testé. Franchement, elle n'a plus une seule ride après. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est assez naturel, c'est que ça ne fait pas non plus lifter énormément, mais c'est vrai qu'il n'y a plus une seule ride, c'est juste dingue. Donc voilà, donc là, pour dire vite, je le dis comme ça. Elle me dit, ah oui, OK. Et de là, après, je lui explique le job. Alors, je l'explique comme on l'a expliqué à moi, et franchement, je l'explique comme ça parce que je trouve que c'est exactement ça. Il est très simple, le job. C'est uniquement publier
trois fois par jour sur les réseaux sociaux. Donc, au début, si tu n'as que Facebook, tu fais Facebook. Si tu as Instagram, si tu as tout ce que tu veux comme réseau, utilise tout. Mais moi, je suis claire avec toi, j'ai démarré, j'avais que Facebook. Donc, trois publications par jour. La deuxième chose, c'est d'ajouter des gens tous les jours. Donc, moi, je dis entre 25 et 50 personnes. Après, si tu veux en ajouter plus, tu peux, bien sûr. Surtout, ne t'inquiète pas, tu as une formation de 2 heures quand tu te lances, donc qui est gratuite. Donc, du coup, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment ajouter des gens parce que souvent, ils ont de peur et ça, ils ne comprennent pas trop ce qu'ils commettent comme public et tout ça. Et la troisième chose, je dis toujours, c'est le bouche à oreille. C'est ça. Et du coup, la personne, elle dit, non, c'est fou. Enfin, c'est ah ouais, à ce point-là. Donc, après, je dis, attention, je ne te vends pas du rêve non plus. C'est clair et net que si tu fais ça, que tu n'as pas de retour, non. Mais sache que si tu fais ça tous les jours, tu auras des retours. En plus, on a souvent des formations qu'on fait où on va t'expliquer comment accentuer, comment avoir plus de clients, tout ça. Mais tu vas voir que c'est juste un truc de fou, c'est complet. Donc déjà, je dis ça. Ensuite, j'arrive à la licence, donc ce n'est pas du tout un frein. J'explique juste, alors, pour se lancer dans l'activité, comme on est VDI, on est réglo, on est vraiment déclaré en France, on doit avoir une licence pour pouvoir vendre les produits. Je ne sais pas si tu connais, je fais exactement ce que Jamel dit, est-ce que tu connais le prix d'une licence pour être chauffeur de taxi en temps normal? Alors, souvent, ils disent non. Donc, je dis toujours 200 000, mais je crois que c'est 110 000. Enfin, bref, je dis 200 000 euros, mais quoi qu'il arrive, c'est énorme. Donc là, comme ça, elle se dit, ah, histoire, ça va être 200 000 euros. Et je lui dis, c'est uniquement la licence. On t'entend pas, jamais. On t'entend pas, jamais. On t'entend pas du tout. Je sais pas si tu m'entends. Mais... Non, c'est nickel. Donc, là, tu parlais parce que je n'entends pas. C'est nickel, c'est nickel. Bon. Ah, pardon. Donc, la licence, c'est uniquement 125,40 € et tu reçois 130 € de produits. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est juste un truc de fou. C'est gratuit, en fait. Tu reçois les produits, tu les revends ou tu les testes sur toi. Parce que comme tu m'as dit que tu n'as pas testé, je te conseille de les tester dès que tu les reçois. Mais c'est comme si, voilà, tu as commandé les produits, nickel, quoi. Et de là, hop, tu es dans l'activité, je te fais 2 heures de formation et crois-moi, tu vas gagner de l'argent parce que mon but, c'est de te faire gagner de l'argent. C'est quand même un petit peu fou, quoi. Donc, ça, ensuite, je vais... Je vous explique un parcours, je vous explique que je me suis lancée, que vraiment, j'aurais jamais cru en arriver là, que je me suis lancée juste pour 100-200 €. Alors, je vous explique que le premier mois, j'ai gagné 70 €. Alors, n'hésitez pas à dire que vous n'avez pas gagné énormément le premier mois, sauf si vous avez gagné beaucoup. Pourquoi? Parce que je dis toujours, ce n'est pas le premier mois que tu vas gagner des 1000 et des 100. Ne crois pas non plus que ça y est, hop, le premier mois, 10 000 €. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est le début, donc c'est normal. Donc, j'explique que j'ai gagné 70 €. Après, je passe sur mon... deuxième, troisième mois, quatrième mois, donc j'explique que voilà, moi, le deuxième mois, j'ai gagné 800 €. Donc je dis voilà. Par contre, si vous avez gagné, je sais pas, 200-300 €, dites-le, mais c'est pas grave, mais dites-le avec plein d'intensité. Parce que je me souviens, mes premières présentations d'affaires, j'ai recruté 5 personnes le deuxième mois alors que j'avais gagné que 70 € le premier mois. Alors je dis que, mais c'était beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, oui, quand je dis 14 000, c'est juste énorme, quand je dis 10 000, c'est juste énorme, mais avant, je vous promets que chaque mois, je recrutais. Ben, pourtant, j'avais eu 74 € le premier mois. Donc, tout est dans l'intensité et tout est… Voilà, moi, j'étais vraiment un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai gagné 70 € à être sur Facebook. C'est quand même fou. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Et surtout, je disais aussi dans mes débuts, parce que je veux vraiment que vous sachiez ce qu'il faut dire, même dans vos débuts, je disais, ma marraine, elle gagne 4 000 €. Je te jure que je vais y aller. C'est un truc de fou, mais si tu me suis, je te jure que je vais y aller. En fait, là, comme ça, elle sent ta motivation. Donc, moi, bien sûr, oui, toute seule, quand je dis mes revenus, mais oui, c'est juste un truc de fou. Après, je dis les revenus au-dessus. Et après, je dis, par contre, attention, moi, je ne vais pas non plus. Alors, je suis toujours en train de dire, je ne te vends pas du rêve, mais je dis toujours, attention, moi, je ne veux pas non plus commencer à te dire, tu vas gagner ça. Par contre, je te dis que c'est possible. Et moi, je vais te guider. Dans mon équipe, j'ai la moitié qui gagne 100, 200, 300, 400 euros. J'ai la moitié qui gagne 1000, 2000, 3000, 4000, et c'est illimité. Et là, du coup, OK. Et du coup, je voudrais savoir, ben, qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, je la laisse un peu parler. Alors, souvent, ça arrive, hein, c'est. Ouais, d'accord, ouais, ouais. Enfin, en fait, j'en mets plein la tête. Donc, ça arrive que moi, elle me dit, par exemple, je vais en parler à mon mari. Alors, moi, cette étape-là, je le laisse. Je sais que Jamel, il va dire, il faut peut-être pas laisser, mais je laisse parce que moi, j'ai besoin de mon temps. Donc, après, je lui dis, attention, je préfère te être clair avec toi. J'ai encore beaucoup d'appels à faire. Dépêche-toi parce que franchement, ça va partir. Je suis clair avec toi. Tu te rends compte que là, je te propose de gagner énormément d'argent. C'est juste fou. Mais c'est vrai que je lui laisse quand même le temps. Et après, souvent, on me recontacte. Alors, avant, quand j'appelais 10 personnes, c'est pareil, hein, ce qu'Agère, elle disait, en 10 personnes, si je ne me trompe pas, si vous faites entrer, je ne sais plus, c'était 5 personnes, c'est bien, ou peut-être un peu moins, peut-être 3 personnes, je ne sais plus. Mais sachez que moi, aujourd'hui, j'appelle 2 personnes, il y en a une sur les 2 qui se lance, en fait. Donc, c'est dans mes débuts, c'était un peu pas pareil, mais c'est vrai que tout était dans l'intensité. Pourtant, je suis sûre de gagner moins parce que souvent les gens ils disent oui, mais Quento, tu gagnes tellement que c'est pour ça. Non, ça ne veut pas dire. Alors, 1, 2 sur 10, c'est déjà bien. Donc, nickel, bon, c'était ce que la GRL disait.
Donc, sachez que j'en ai appelé, hein, du monde, ne croyez pas. J'ai eu des noms aussi, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vois des fois des commentaires. Oui, mais moi, on me dit non. Je ne restais pas sur mes noms. Moi, je m'en occupe. Next au suivant. Donc, vraiment, appeler en masse. Donc, souvent, voilà, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Oh, ben, ça me paraît fou. Ben, je vais réfléchir. C'est vrai que souvent, j'avoue, on réfléchit. Ça arrive hein, que direct, on se lance, mais souvent, il faut demander au mari. Donc, moi, je laisse c'est normal pour moi de demander au mari. Donc, j'essaie, mais par contre, faites bien comprendre qu'il ne vous reste pas beaucoup de place. Et ce que je fais aussi quand je vois qu'elle ne revient pas, cette personne, c'est que je vais aller sur mon mur en disant « Attention, une seule place restante. » Je fais exprès de dire qu'il me reste deux places au téléphone et à chaque fois, après, je fais exprès de dire qu'il reste une seule place. Logiquement, elle se bouge et elle se lance à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas si jamais, du coup, tu as des choses Si t'as des questions ou pas. Après, si tu veux, je peux faire une simulation avec toi de que moi, je suis t'es la distributrice potentielle. Oui. OK. Donc, alors… Il est mon protocole. Le mec n'est pas bien sans son protocole. Donc, alors, ben, déjà, j'appelle une personne. Imaginons, c'est une personne basique qui m'a contacté sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, numéro un, quand je ne la connais pas, il faut déjà établir une relation avec elle. C'est-à-dire, demander d'où est-ce qu'elle est. Première question, vous êtes de quelle ville? Vous faites quoi dans la vie? Donc, oui, hello, bonjour, Gwendoline, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Super. Alors, on s'est contacté sur les réseaux sociaux. Tu étais venu vers moi. Je me permets de te tutoyer si ça ne te gêne pas, bien sûr. Pas de souci. Super. Donc, tu étais venu vers moi au sujet d'un complément de salaire. Donc, là, tu as énormément de chance. Il reste encore 3 places de disponibles. Donc, c'est vraiment l'occasion jamais. Déjà, toi, numéro 1, tu fais quoi dans la vie et tu es de quelle ville, dis-moi? Alors, je suis esthéticienne et je viens de Lille dans le Nord. Ok, c'est excellent que tu sois esthéticienne. On est aussi dans le domaine du bien-être. Donc, déjà, petite parenthèse, trouver des connexions. Ok, donc c'est excellent. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, dis-moi? Ça fait uniquement 5 ans. 5 ans, donc uniquement, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, 5 ans. Donc, génial. Et vous, dans votre tête, 5 ans esthéticienne, tu as pu développer un réseau. Donc, gros, gros, gros potentiel chez cette personne-là dans votre cerveau. Donc, génial. Alors, est-ce que tu connais notre société? Déjà, d'où tu connais notre société? Tu m'as suivi un peu sur les réseaux sociaux. Donc, explique-moi un peu, dis-moi. Juste sur Facebook, je ne sais même pas ce que vous faites, je ne comprends rien, je veux juste gagner de l'argent. Alors, si vous pouvez m'aider, ben, tant mieux. Super, super. Mais je vais t'éclaircir sur ça, il n'y a pas de souci. Donc déjà, est-ce que tu as déjà essayé ce wrap de fou dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, dis-moi? Pas du tout. Alors, je vais t'expliquer en fait, le wrap c'est quoi? En fait, c'est très simplement un patch qui ressemble en fait à une ceinture de boxe qu'on peut appliquer du cou jusqu'aux chevilles et qui va donner des résultats en fait en près seulement 45 minutes. Je ne sais pas si tu es déjà tombé sur des photos avant, après. J'ai vu un petit peu sur ton mur. Brièvement sur mon mur. Donc voilà, c'est assez hallucinant. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je ne vais pas te mentir, j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai testé moi sur ma mère et ma sœur. Et là, j'ai beaucoup moins rigolé parce que tu vas voir qu'une femme qui a des résultats après 45 minutes et qui voit ses photos avant, après, elle te parle dans un langage bizarre, ok? Donc, c'est le langage de la femme qui a eu des résultats de folie, clairement, tu vois. Donc voilà. Après, la société avec laquelle on développe aussi, c'est Eatworks Global. C'est une multinationale américaine qui chiffre dans les 700 millions de dollars en chiffre d'affaires, donc c'est énorme. Après, le deal, concrètement, il y a le WrapCore, il y a le HSN, produit au niveau capillaire qui donne des résultats aussi de folie. Au niveau repousse capillaire, on a eu des photos avant-après qui sont juste choquantes. C'est sorti en novembre 2015, il y a eu 7 ruptures de stock environ. Donc, c'était vraiment, vraiment un truc de fou. Il y a le wow, résultat après 90 secondes. J'y croyais pas aussi au niveau des ridules, etc. C'est très, très, très puissant. Je vais pas te parler de tous les produits de la gamme, mais je vais te parler concrètement du job. Maintenant, comment toi, tu vas gagner de l'argent parce que je pense que tu as l'air d'être intéressé pour gagner de l'argent. Donc, déjà, le premier plan de rémunération, ça va être la vente directe. Okay, nous, le produit de base, on touche à 18 euros, on le revend 30. Est-ce que tu as déjà travaillé dans la vente ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je te donne un exemple très simple. Gwendo. Gwendo, j'appelle Gwendo, je ne la connais pas normalement. Gwendoline. Je te donne un exemple très simple, Gwendoline. C'est comme si tu vas aujourd'hui à McDonald's et tu leur dis, voilà, bonjour, j'adorerais être avec vous, mais je vais prendre 40% sur les ventes. Le manager de McDonald's, il va te regarder, il va te dire, mais tu es devenu complètement cinglé. C'est ce qu'il va te dire normalement. Donc, c'est pour ça que déjà, nous, on prend 40% sur les ventes, c'est monstrueux. Ça pourrait s'arrêter là, ça serait déjà énorme. Je ne sais pas ce que tu en penses, 40% sur les ventes. Tu travailles par contre de chez toi, tu n'as pas de patron, tu
travailles où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Après, le deuxième plan de rémunération, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui connaissent It Wars que au niveau de la vente, c'est le plan de rémunération évidemment le plus intéressant. C'est le développement du réseau. Alors, question très simple, est-ce que tu connais des personnes dans ton entourage qui seraient intéressées pour gagner 400, 300, peut-être 600 euros par mois en plus? Je pense que oui. On est d'accord, on en connaît tous. Donc, même une personne qui gagne 1500 euros, tu vas dire, est-ce que tu aimerais 500 euros par mois en plus? Évidemment, il va dire, oui, je suis être humain, tu sais. Donc, évidemment, ça intéresse du monde. Alors, c'est très simple, je te donne un exemple très simple. Il y a une copine à toi qui s'appelle Alexis. Alexia, on va dire. Alexia, elle va intégrer ton équipe, tu vois. Et à chaque fois que tu vas faire qu'elle va faire des ventes, toi, tu vas être rémunéré. Mois après mois, année après année. Je ne sais pas ce que tu en penses, le fait de travailler une fois et d'être rémunéré à chaque fois, c'est un truc de fou. Moi, je te dis, ça fait 3 ans que je développe l'activité. Tu peux regarder sur mon mur, on est complètement transparent. On voyage partout. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, vraiment un truc de dingue. Après, ce qui se passe, c'est que ça ne s'arrête pas là. Imaginons, Alexia, elle intègre 20 personnes dans son équipe. Toi, tu es rémunéré sur Alexia plus 20 personnes qu'il y a dans son équipe. Après, certes, peut-être il va y avoir des personnes qui vont arrêter, il y a des personnes qui vont continuer, mais ceux qui vont continuer vont développer des équipes, etc., etc., etc. Tu vois? Là, après, c'est un rouleau compresseur qui, même si tu as envie d'arrêter, il y a toujours de l'argent et un résiduel qui est enclenché. Que tu sois là ou pas là, il y a de l'argent qui rentre. Donc, ça, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Après, troisième des choses, en fait, quand tu te lances dans l'activité, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est très important le closing parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal au niveau de la licence, donc écoutez attentivement. Là, ça va être un échange. Vous avez une bouche et des oreilles, utilisez-les à proportion, vraiment. Ok? Donc, déjà, je te pose une phrase très simple, une question très simple. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je n'ai pas le droit d'acheter des hamburgers à McDonald's et de les revendre à la rue? Je serais dans l'illégalité si je fais ça. On est bien d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi que je n'ai pas le droit de prendre ma voiture, de ramener les personnes d'un point A à un point B? Je serais dans l'illégalité si je fais ça. On est d'accord, Gwendoline? Ouais. Ouais. Donc, c'est très simple. C'est exactement la même chose chez nous en tant qu'indépendant. Tu vois, il faut comprendre une chose, c'est que je n'ai pas le droit de vendre des produits cosmétiques comme ça dans la rue. Donc, il faut une licence. C'est une autorisation pour pouvoir vendre les produits. OK? La licence pour être chauffeur de taxi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Ça coûte entre 100 000 et 150 000 euros. Ils mettent environ 6 ans, 7 ans pour se rembourser. Ça coûte très, 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 très cher. Nous, ce qui est génial, c'est que la licence de base chez It Wars, ça coûte 125 euros. Tu reçois un gros carton et tout de démarrage avec des livres, une boîte de 4 applications. Rien que celle-ci, tu la revends, ça te fait 120 euros. OK? Et tu peux prendre des produits en plus comme font 90% des distributeurs de boîtes de HSN, des boîtes de Wrap. Et maintenant, il y a le Wow, il y a le Cleans qui prennent. Il y a beaucoup, ça peut te faire. Tout dépend, tu peux prendre un kit de démarrage à 200 euros ou tout dépend de toi et ton budget. OK? Donc voilà, mais la licence de base, il faut savoir qu'elle est à 125 euros. Ensuite, il y a un site internet qui est dédié à l'activité. Donc, tu payes juste pour qu'il y ait une structure derrière qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est ton propre site internet perso. Tu as un compte bancaire aux États-Unis qui est ouvert. OK? Tu peux taper sur Google It Wars Pay ou carte bleue It Wars. Tu vas voir la carte bleue à peu près à quoi elle ressemble. On a tous les distributeurs d'It Wars. On est rémunérés sur cette carte-là. Là, ça émet de la crédibilité au niveau du visuel. Parce que comme on dit, les images parlent mille fois plus que les mots. Les gens ont besoin de voir, OK? Donc voilà, après, le plus gros échec, vraiment, c'est de ne pas avoir essayé parce que franchement, tu cherches un petit complément salaire, c'est vraiment l'occasion de jamais. Et ce qui est génial, c'est que tu aides les gens à gagner de l'argent pour toi pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'il faut dire ce qu'ils font dans le milieu traditionnel, on écrase plus les gens pour pouvoir monter et c'est vraiment, vraiment le top. C'est vraiment le top. Donc après, on ne va pas prendre tout le monde. Il me reste encore quelques places. Après, ce qui est génial, c'est que si tu démarres tout de suite, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes à appeler derrière. Tout dépend de ton investissement et de ta motivation. J'ai la possibilité de mettre ces personnes-là dans ton équipe. Tout dépend de ta motivation et ton engagement. Et donc, voilà. Donc, toi, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Si tu veux, on fait ça. Moi, j'ai juste une question parce que j'ai extrêmement peur. Ça m'intéresse, mais moi, je ne suis pas vendeuse. Quoi. Je ne sais pas vendre les choses. Quoi. Je ne sais pas comment on fait. Ben c'est fou, tu étais exactement comme moi. Tu sais, je suis une personne qui était modèle à Londres de base. J'ai un collègue qui est à la SNCF, qui travaille. J'ai mon cousin qui est footballeur. Mon frère est électricien. Il n'y a aucune personne qui fait de la vente. Donc, c'est génial, tu es exactement comme nous. Et est-ce que je peux demander à mon mari
parce que ça, il va me tuer si je suis pas, s'il n'est pas au courant. Il n'y a aucun souci. Par contre, comme je t'ai dit, il reste quelques places. Je le répète, je ne vais pas prendre tout le monde. Et essaye de faire vite. C'est pour toi. Bon, quand c'est comme ça, je raccroche et je vais demander à mon mari. Hein. Je suis claire avec vous. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que si tu veux, exceptionnellement, ce que je peux faire, parce que tu vas essayer de me rappeler, je te dis clairement, Gwendoline, me rappeler dans la soirée, ça sera impossible. J'ai énormément de personnes à appeler. À quelle heure précisément je pourrais t'appeler, dis-moi? Je ne sais pas. Rappelle-moi dans 2 heures. Bah, moi, en tout cas, j'aurais fait comme ça. Nickel. Par contre, garde ton téléphone à côté de toi. Dans 2 heures, je te rappelle. Il n'y a pas de souci. Bon, ben, je te dis à tout à l'heure. OK? Salut. Et juste une petite chose avant de te laisser. Je vais t'envoyer une petite vidéo de la croisière It Works. Tu vas voir un peu. C'est une vidéo entre Miami et les Bahamas, une croisière de la société. Tu vas voir un peu l'ampleur que ça prend. Donc, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à tout à l'heure, dans 2 heures. Bisous, Gwendo. Salut. Et là, par contre, moi, c'est ce que je fais aussi dans le closing, c'est que je vous jure, les gens, ils ne démarrent pas des fois parce qu'ils n'ont pas confiance. OK? Et quand vous leur envoyez une vidéo où il y a 3600 distributeurs en train de faire la fête comme ça et ils voient des It Works partout, ça les rassure énormément. OK? Donc, ça, c'est important à faire. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Gwendo, par rapport aux distributeurs? Non, moi, c'est super. Non, moi, j'ai rien à dire, c'est super. Non, franchement, je me serais lancée. Après, c'est peut-être un petit peu, enfin, je sais pas, mais je pense que c'est un petit peu beaucoup. Mais moi, c'est pareil. Hein, quand je renseigne, j'en mets beaucoup plein la tête. Après, je leur dis aussi que les formations, il y a des formations gratuites qui épaulent que, hop, c'est pas on l'inscrit et hop, merci, t'es dans mon équipe. C'est on l'inscrit et on le suit. Ça, j'aime bien préciser. C'est important de le dire, ça, ouais. Moi, c'est ce que je dis aussi des fois dans le closing. Je leur dis, si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est quand une personne, tu vois qu'elle est réellement intéressée, je lui dis, si tu as besoin de quoi que ce soit, enregistre mon numéro, n'hésite pas à m'appeler. Vraiment, je suis disponible. Les clients, les premiers clients et les premiers distributeurs, on les appelle ensemble, tu vois. Il n'y a aucun souci pour ça. On est avec toi, on va t'accompagner. Mais ne sois pas timide vraiment de m'appeler. C'est avec grand plaisir que je vais te répondre. Et appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Pour les personnes, vous tapez It Works Cruise. It Works Cruise sur YouTube, vous allez voir la vidéo, elle est hallucinante. Donc voilà, après, moi, je voulais dire une chose très importante, c'est là, on vous a donné 2 substances, en fait, au niveau du contenu. Le contenu au niveau client, contenu au niveau distributeur. Okay? Par contre, il ne va pas falloir le dire une seule fois, ça. Le dire encore et 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 encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, juste au niveau des clients. Après, il va falloir le dire encore, et 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 encore, au niveau des distributeurs. OK? Parce que c'est ce qui va faire que vous allez tomber sur des personnes qui vont vous dire non. Il y a des personnes qui vont vous dire ça ne marche pas. Et il y a des personnes qui vont vous dire putain, mais c'est l'opportunité que j'attendais. Let's go, je pars avec toi. C'est let's go, on va faire un truc de fou. Et là, vous allez tomber sur des bombes. OK? Comme on dit. Et j'aime bien cette phrase-là, c'est une personne du MLM qui a dit ça. Il a dit, vous avez 208 face à vous, 208. Dans les 208, il y a 4 personnes, il y a 4 perles qui représentent votre indépendance financière. Ce qu'il faut faire, c'est présenter l'opportunité et faire démarrer ces 208-là. Parce que je vous garantis que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, gardez votre dynamique, accompagnez bien les personnes, soyez disponibles. Et là, vous allez faire quelque chose de fou. Je vous le dis, il y a quelque chose de fou à faire. OK? Après, comme on aime bien dire, une personne qui ne va peut-être pas réussir aussi dans le business, ça arrive. Hein, c'est une personne qui ne va pas atteindre les grosses positions. En fait, elle ne va pas survivre à un bas émotionnel. Et on le sait, c'est comme ça. Hein. On connaît maintenant nous, les bas émotionnels, mais même avec certains leaders, on les appelle les chaos émotionnels positifs. On sait que c'est positif, c'est dans notre formation. Quand vous êtes dans un chaos émotionnel, quand vous dites « Ouais, mais il y a tout qui est contre moi, je ne comprends pas pourquoi on n'évolue pas. C'est peut-être mon… Ma famille, ils sont contre moi, c'est mon Facebook, ça marche, il n'y a rien qui marche. C'est de ma faute. Non, vous êtes dans la normalité, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes en formation pour votre prochaine position. Voyez-le comme ça, c'est là que vous allez créer la différence. Et une chose très importante que j'ai écoutée ce matin, ou je ne sais pas si c'était dans un livre ou dans une formation, il y a un gros networker qui a dit une chose, il a dit, bâtissez, écoutez bien cette phrase-là, bâtissez votre réseau sur des faits, pas sur des opinions, s'il vous plaît. C'est important. Baptisez votre réseau sur des faits. Le marketing de réseau, allez vous renseigner. C'est 180 milliards en chiffre d'affaires par an. Ça, c'est des faits réels. Il existe depuis quand? Depuis 1940. La société It Works, elle existe depuis 16 ans. 16 ans qu'elle existe. 16 ans que ça marche. C'est une société qui a fait des millionnaires
Je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais ça, c'est des faits, c'est concret, c'est réel, c'est approuvé. C'est, on peut vous envoyer la documentation, on peut vous envoyer les personnes, vous pouvez aller les suivre sur Facebook, Joël Dunn, Stéphanie Dunn, il y en a plein, hein, Camille Dempsey, il y en a plein. Allez voir ces personnes-là, c'est des personnes ordinaires qui ont eu un bon état d'esprit. Ils ont été enflammés quand ils ont eu ces informations-là. Et par contre, ils sont partis d'une manière de dingue. Et ils ont explosé. Et ils ont explosé. Ça, c'est important à comprendre. Quelque chose à dire, Gwendo ? Bah, du coup, au niveau distributeur, je pense qu'on a tout dit. Non, franchement, là. Après, est-ce que tu es d'accord avec moi, Gwendo ? Juste sur une chose, c'est que ces informations-là, toi, pour vraiment bâtir, tu as un réseau de combien de distributeurs maintenant ? J'ai regardé l'autre fois à l'intérieur, 1600. 1600 distributeurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu 1600 distributeurs. Que toi, en bâtissant ce réseau-là, tu ne l'as pas dit deux fois ou trois fois ou même dix fois. Beaucoup. Franchement, vous imaginez pas. Franchement, c'est au moins 10 appels par jour, ça, j'en suis sûre et certain. Et ils ont raison, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Non, c'est pas énorme, en fait. Hein. C'est pas beaucoup plus énorme que de travailler de 7h du matin pour certains jusqu'à 16h. Ça, c'est, pour moi, ça demande beaucoup d'énergie, ça. 10 appels par jour, des fois, il y a des gens, ils sont au restaurant. Bien, ils sont en train de fumer une cigarette au restaurant, ils appellent deux clients. Ça, c'est pas énorme. Ça. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? C'est entre midi et deux, et franchement, c'est cool. Ok ? Donc voilà. Et évidemment, il y a un produit qui va sortir dans pas longtemps. Je voulais un peu en parler parce que c'est bouillant. On a eu une conférence avec les VIP, avec Stéphanie Dunn. C'est un produit qui va cartonné et je peux vous donner un indice, il va sortir avant la fin du mois. Avant la fin du mois, il va sortir. Et je peux vous donner un deuxième indice, ça ne sera pas la fin du mois. Donc, c'est bouillant. C'est très, très, très bouillant. Et c'est vrai. Donc, voilà. Après, juste vraiment bâtissez déjà votre réseau dès maintenant. Vraiment, n'attendez pas ceci, cela. Et je pense qu'il y a tout le monde qui connaît le produit qui va sortir. Ça va être un truc de fou. Hein. Ça va être un truc de fou. Ça ne va plus être des clients fidèles sur 3 mois. Ça va être des clients fidèles sur 2 ans. Ça va être un truc de fou. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce produit, Gwendo ? Alors, personnellement, je déteste le café, mais je vous jure que je vais me forcer. Je sais que je vais aimer parce que, en fait, il faut absolument que j'en ai chez moi et je vais en mettre partout. Comme ça, dès que les personnes vont le boire, alors, je ne l'ai pas encore goûté, donc je ne sais pas, mais du coup, ce sera bon et du coup, ils vont le commander. Il faut absolument qu'on fasse ça. Pour ceux qui ne boivent pas, il faut boire du café. C'est qui boit du café qui lève la main ? Il y en a beaucoup. Il y en a, il lève même les deux doigts. Hey, Charlotte. Donc, non, mais ça, vous allez voir que ça va bien, bien, bien marcher. Donc, après, évidemment, moi, ce que je vous recommande de faire, ce qui semble un peu logique, c'est vraiment n'hésitez pas à l'essayer parce que les produits Deetworks, ils sont vraiment, vraiment puissants. Et quand ils lancent quelque chose, c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, juste, je vais terminer par dire juste ceci. Je le répète à chaque fois, des fois, je me répète un peu, mais vous ne pourrez pas changer votre style de vie et avoir vraiment des accélérations des finances du jour au lendemain. OK, d'un seul coup, avoir un style de vie d'un seul coup. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment changer la direction que vous prenez vraiment instantanément, un claquement de doigts. C'est à vous vraiment de prendre la décision de bien vous engager de la bonne manière. Parce que si vous changez des fois votre état d'esprit, si vous changez vos habitudes de communication, si vous changez aussi vos actions quotidiennement, si vous développez quelques petites compétences aussi de temps en temps que vous n'avez pas l'habitude de faire, et imaginons, comme l'a dit Gwendo, appeler 10 personnes par jour. C'est pas quelque chose de dingue. Après, il y a des gens qui doivent dire oui, mais comment trouver les contacts ? Ne pas se demander comment. Aller parler à des gens dans la rue, c'est très simple. Vous allez trouver des personnes. OK ? Je vous jure que vous pouvez avoir une vie de dingue avec ces sociétés de fous. Il y a des produits qui arrivent là, qui sont en train d'exploser vraiment aux États-Unis. Vous êtes au début d'une explosion maintenant. Après, à vous de créer vraiment cette explosion-là, à vous d'accélérer, à vous de croire en vous. Et c'est là où vous allez vraiment créer cette grosse différence. Croyez vraiment en vous, réellement et profondément. Et serrez le point quand ça ne va pas, faites preuve de courage. Parce que je vous jure qu'il y a peut-être vraiment la meilleure des choses. Je ne sais pas si vous avez envie de voyager avec vos enfants. Vous avez peut-être des choses dans vos têtes auxquelles vous pensez qu'ils n'étaient peut-être pas accessibles. Je vous jure que ça peut être accessible maintenant. Okay ? Par contre, c'est à vous, votre engagement, vos croyances. Et foncez comme vous n'avez jamais foncé. Ok ? Vous ne me répondez pas, ouais, mais... C'est normal, vous avez tous vos micros. Donc, on va faire une photo, OK, Gwendo ? Yes.
Super, super, super. Imprimez vos structures dès maintenant aussi. Il faut regarder combien il vous manque de personnes pour la position supplémentaire. Voilà, la formation aussi, elle a bien été enregistrée. Donc, on pourra vous la retransmettre. Ça sera sur YouTube. On va la mettre sur les groupes.